Salut tout le monde, c'est Akaima, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve donc sur l'épisode numéro 31 des Pokémon Sword. J'ai complètement bugué pour commencer cette phrase, mais on va dire que c'est normal. Du coup, pour aujourd'hui, nous devons retourner à Kitnam, j'arrive jamais à se dire ce putain de mot, pour une histoire de bordel, hein, on va pas se le cacher. Donc on va y aller de ce pas. Attends, qu'est-ce qu'il a à me dire, lui? Voilà ma parole, la terre tremble. Et si je me balançais en cadence pour accompagner le mouvement? Ah non, ça n'avance guère. T'es con? Bon, bref. Oh, là, il y a déjà du monde, là. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tout va bien à Kitnam. Je reconnais cette cape couverte de logo, c'est le mec qui en est passé en courant. Oula, il y a du monde, là. Oula, est-ce que je peux au moins passer, s'il vous plaît? Mais que fait un Pokémon Dynamax sauvage ici? What? Mais mamie là, tu me gênes là. Un Pokémon Dynamax sauvage? Possible ça? Attends, du coup j'ai très peur. Attends, est-ce que mes Pokémon sont soignés au moins? Ouais, ils sont soignés. Parce que bon. Akaima, oui c'est moi, bonjour. T'as vu un peu ce qui s'est passé? C'est ouf! J'ai juste entendu un gros bruit. Sérieux, autour du hut là, il y a eu un gros bomb, puis le frangin a rappliqué. Et là, une grande lumière rouge est apparue, un Pokémon sauvage du coin a commencé à se dynamaxer. Ah, c'est problématique. What? Regarde, ils en parlent aux infos. Oh! Tu vois, c'est mon frangin, il a vraiment trop la classe. Ouais, toi. Moi, je me pose juste la question du comment est-ce que ça dynamaxe en fait, dans la nature. Lui, son dracofeu, on gérait ça comme des pros. Il savait qu'il était fort, le frangin, mais là, je n'en reviens pas. Enfin, bref, allons le rejoindre, il doit être au stade de Kikenam. J'arrive jamais à se dire ce putain de mot là, ça me saoule. Ah, c'est ce Pokémon au fond là qui a dynamaxé là, celui qui va sur ma gueule, non. Ah! Je suis protégé par une barrière magique! Tu peux rien contre moi! Enflure. Bon. On va voir ce que c'est un bas là. Ah! Bon bah écoute, allez combat, hein. Bonjour monsieur. Je présume que tes adresses sont redoutables. Bats-toi contre moi et prouve-le. Ouais, je suis désolé, moi je prends une voix comme ça pour les bourges comme ça. Hein. Un gentleman. C'est un gentleman, ça veut dire. C'est quoi ça? C'est quelle génération ça? Oh, à tous les coups c'est Spectre assis. Une quinzaine dans le jour, air de feu. Voilà, ça dégage. Une fois. Quoi, Termac? Ah putain, c'est quoi comme Pokémon de ce mort? Quoi, Terma? Ouais, on continue sans danger, t'inquiète. Ah oui, c'est ce truc là. Nitro charge. Gonflette. Ah, il augmente la défense, c'est pas ouf. Bah écoute, ballon brûlant. Hein. Vas-y Pogba, défonce-le. Si oh. Hop là, ça c'est fait. Et un Poltergeist. Attends. Parce que
que j'ai pas une attaque, un qui a une attaque de type. Mais en fait, y'a que dalle. On va pas sortir de l'aviator. Parce qu'il faut un peu que je le pexe un peu pour mettre. Pour qu'elle rattrape les autres, quoi. Okay. En gros, c'est une télé rentée, quoi. Cascade. Dans la gueule. Ah, ça suffit pas. Armure rouillée déployée. La défense baisse, mais la vitesse augmente beaucoup. Bon, dura, hein. Giga sensible. Ah. Attends, d'où là cette attaque là? Che. Bah les couilles. Attends, comment ça se fait que tu attaques deux fois de suite là? Ah ouais, sa vitesse elle a augmenté, je suis con. Eh. Bon, bah les couilles. Tu dégages. Che. Che. Tu es le guidon qui monte du level. Putain, elle est level 52, putain. Ouais, j'ai battu le gentlement. Ouais. Allez, ça c'est fait. Est-ce qu'on va dans le camping ou pas? Ouais, non, pas le temps. Y a des gravuches qui part en couille, donc on doit y aller. Qui se base-t-il dans ce village? Parce que c'est carrément chelou, hein, on va pas se le cacher, hein. Ok, alors déjà un petit coup de soin là. Parce que ça fait jamais du mal de soigner ces Pokémon, même s'ils sont pleins de forme. Hein. Comme ça, ils sont. On sait jamais quand est-ce qu'il y a un combat random qui commence. Comme ça, au moins, je repars avec une full équipe. Ce qui va être parfait. Allez. Bon, alors, voyons voir ce qui se trame. Faut que j'aille où en fait. Faut que j'aille où. Faut que j'aille où en fait. Rendez-vous à Kikenan. Ouais, rendez-vous à Kikenan, mais où dans Kikenan en fait? C'est. Dans le centre? Ah. Attends, peut-être dans le centre. Ah bah voilà. Eh, hey, par essai. Tiens, c'est là quand même. Sonia. Franchement, t'as rien que t'as 3 sur avec ton Dracaufeu. Vous avez fait qu'une bouchée de ce Pokémon Dynamax. Je ne suis pas le maître invaincu pour rien. Par contre, j'aimerais bien savoir ce qui se passe ici. Il y a une grande lumière rouge, un Pokémon a commencé à se Dynamaxer, et en dehors des sources d'énergie. Comment ça se fait? Je n'en sais rien. Et qui sait si c'était un cas isolé, ou si ce phénomène va se reproduire. Savoir prédire ce genre de choses fait partie du travail des chercheurs. Ah bah, professeur Magnolia, hein. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais ici? Le président Chéros m'a demandé de venir. Il souhaitait en savoir plus sur ce qui lie cette lumière rouge au phénomène Dynamax. Vous avez des informations là-dessus? Moi, non, et le président non plus. Il se consacre entièrement au développement de nouvelles énergies et délègue le reste à son assistante. Nous manquons cruellement de données à étudier. C'est pourquoi je voudrais que tu fasses quelques recherches à ce sujet, Sonia. Après tout, tu connais mieux que quiconque les légendes qui entourent la nuit noire. Ah. Ah, ça veut donc dire que cette lumière rouge est la calamité? Ce sera pas con, hein. Dis, tu crois qu'on peut leur donner un coup de main? On pourra faire quelque chose. Ah, vous voulez nous aider les Minus? Merci, franchement vous êtes top. Mais je préfère que vous vous concentriez sur les défis des arènes. Je vais pas laisser une lumière rouge sortir de nulle part à vous arrêter. Je m'occupe de protéger Galar. Ça marche. C'est toi le maître, après tout. On peut que te faire confiance. Grand-mère, il y a quelque chose qui me travaille. Tu veux bien me filer un coup de main? Bien sûr. Mamie. On se reverra au Pokémaster. Mais pour ça, il faut d'abord que vous réussissiez le défi des arènes. Allez, bon courage. Thanks.
Bon, tu l'as entendu, reprenons notre route du tour des arènes. J'ai pas personne à vaincre. Tu enchaînes avec celle de Kingdom, c'est ça? Roy est super fort. Ça va pas être de la tarte. C'est le dernier en plus, non? Ouf. Bon, bah, je pense que... Ouais. Le stade de... Le stade de Kickname, Yes. Allez, c'est la dernière arène. Bon, bah... On teste, hein, la dernière arène. Oh bordel de chiottes. Oh bordel de chiottes. Je le sens pas. Mais pas quand ils sont à fond, donc ça devrait être bon. J'arrive au bout de cette grande aventure, quel est le défi des arènes. Challenger, es-tu prêt à affronter Roy, le champion draconien de l'arène de Kingdom? Carrément. Parfait. Dans ce cas, commence par aller te changer dans le vestiaire. Ton uniforme est le témoin de tes victoires, porte-le fièrement. La mission d'arène t'attend non pas dans le stade, mais dans la salle des reliques. What? Dans la salle des reliques? Attends, c'est le truc là où on était il y a quelques épisodes là, non? Et là j'ai un gros chargement de ses morts. Allô? Ah! Ok. Voyons, il reste combien de challengers en lice? Moins de 10? Wouah! Bon, laisse-moi te faire un topo sur la mission du meilleur des champions. J'ai nommé moi. Tu vas voir, c'est simple, basique et efficace. Comme moi. Enfin, je veux dire efficace comme moi, parce que je suis tout sauf basique. Bref, tu dois vaincre 3 dresseurs d'arène en combat duo. T'en as axe, non? Eh ouais, c'est le défi des arènes. Ici, on n'est pas là pour plaisanter. Il y a très peu de challengers qui arrivent jusqu'à moi. Je gère que la crème de la crème. Et si tu es ici... Et si tu es ici, ça veut dire que tu fais partie de l'élite. C'est justement pour ça que je veux voir si tu sais tirer la meilleure partie de tes Pokémon en duo. Mais assez de blabla, passons au blabla baston. Pour le premier combat, tu as affronté mon pote... Putain, nom de merde. Salut, moi c'est Patxi. Roy nous a appris deux trucs importants. Les Pokémon Dragon, c'est trop classe, et pour en tirer un max, faut pas hésiter à choper l'avantage sur le terrain. Ah, j'ai même pas la moindre chance de changer le... Bon bah... Bon bah nique alors. Yes, deux Pokémon haut. Oh. Je suis baisé. Oh, il pleut. Bon. Ah, ouais, mais je suis baisé parce que les deux sont pour le type haut. Ah, j'ai pas le choix, hein. Je n'ai pas le choix, il faut que je sorte Steel Dog, sinon je me fais baiser. Écoute, on va pas s'emmerder, on va faire fête de ça dans la gueule du Pekipon. Mixer, non, non. D'accord. Vent arrière. Brrr. Ça veut dire ça fait quoi? Ça fait... Oh putain, je suis étourdi, il va te faire foutre. Étincelle. Colimicus. Attaque. C'est un mixeur. D'équipement. Allez, faut que ça passe. Yes, ça passe. Ah, c'est pas plus efficace. Ah bon, c'est pas très efficace. C'est pas comme un typo. Oh putain, c'est ça type ça que je suis baisé. Mais wesh. Dracochoc. Nani. Ah, je me fais déchirer, on est d'accord. On est d'accord que j'en suis sévère quand même. Petit mixeur. Colimicus. Allez, Fuggy Dog, faut que ça passe. Putain, ça passe pas, on va te faire foutre.
Wesh! Bref. Oula, ça va être compliqué, c'est moi qui te le dis. Hein. Oh. Ça va être compliqué cette histoire. J'ai fait enculer en fait. Hein. Allez, faut que ça passe, Flugu. Yes, ça passe. Ok, c'est passé. Eh ben putain, je sens que je vais en chier là. Je vais en chier sévère là. Libre à quoi? Mais putain. Oh, va te faire foutre. Bah, pas. Voilà. Bon, bah, comme on dit, je me suis fait baiser. Et comme un duo, c'est fun, mais c'est pas évident. Putain, mais je me suis fait niquer là, putain, what the fuck? Ta victoire n'est pas une surprise et tu as réussi à arriver jusqu'ici après tout. Eh mais si je dois en faire 3 d'affilée après le coup... Oh putain, mais je vais en chier sa mère. Hein. Un tout tour, Laurine. Ah, ok, je me suis dit, attends, il y a un truc qui cloche ou... Ok, ça me laisse... Le jeu laisse une chance. J'avoue que là, j'aurais été niqué. Bon, on va faire déjà un coup de Réa. Ensuite, super potion. Super potion. Voilà. Ensuite. Et puis au but, on va le déplacer. On va le mettre à la place de Corvalus. Comme ça, il y a Corvalus et Coton. Et on va voir ce que ça donne. Ça va être... dans les combats du haut, l'important, c'est de savoir quel rôle jouent les Pokémon de ton adversaire. Bon, allez, c'est parti. Un Fenard et un Kumata. Alors, le Fenard, je connais, mais le Kumata, c'est quoi cette merde, là? Sécheresse de Fenard. Ah. Bon, on va tenter un truc. Déjà, on va faire un coup de gros grogneux. Voilà. Et on va faire Future Mixer. Ah, mais c'était pas comme un feu là, je suis baisé en fait. Ah, j'ai aimé ma vie. Déclenche un carapiège. Quoi? What the fuck? La défense baisse et la défense baisse. Ok. Là, je suis baisé, là je suis en désavantage de type, mais je vais revenir là. Carapiège. On n'a pas explosé. Ah, parce que ça explose ce truc! Wesh. Bon, bague vrille. Boumata et. Écoute, tempête verte, hein. Même si c'est pas efficace, tant pis. Hein. Lance-flamme. Ah, ça va faire mal. Ouf. Ouf. Oh, ça fait mal sa mère. Putain, faut au moins que je mette un KO là. Bon, je vais faire un coup de synthèse sur le Coton parce que ça va être la douille. Ah putain, j'ai pas le temps de caler. Va te faire foutre. Putain, à chaque fois, je me fais niquer par les avantages du type. C'est abusé. Putain de merde. On n'a pas explosé. Mais heureusement qu'il n'a pas explosé. Bon, on arrête les conneries là. Léviator. Putain, hé. Oh, faut penser à se calmer un peu. Voilà, en plus, ça baisse l'attaque. Voilà. Attaque.
Cascade. Vas-y, va faire sur... Oh non, c'est quand même encore mieux, on va faire hydrocanon. On va pas se faire chier, fenard. Et on va tenter de faire un berceuse sur l'autre. Dans la trousse de ce Pokémon, putain. Allez, ça dégage. Ça suffit pas, t'es joueur, ça suffit pas, quoi. Entrave. Pas grave, j'en ai encore 3 autres d'attaques. Putain, j'ai de la chance qu'il explose pas à chaque fois, hein. Hydro-queue. Boumata. Et, Phytomixer sur Fenard. Avec de la chance, ça devrait les calmer, là. Ok. Lui, ça dégage. Monter le level de bloc au ton. Ouais, je brûle. Fils de... Ah, ça suffit pas, putain. Allô? Ah, d'accord, il y avait un petit blanc là. Brûlure. Bon, écoute, bon, je vais lancer un phytomixer, mais ça devrait pas s'éteindre. Et va viens là. Voilà, ça, c'est fait. Voilà, l'aviateur monte level 49. Parfait. Ah, combien de temps dans la vidéo avec ces conneries? 21 minutes déjà. L'issue d'un combat, c'est comme la météo, imprévisible. Je pense que le championnat, je vais le faire pour l'épisode prochain, parce que sinon ça va être trop long. Extra, mais je suis pas surprise, t'as quand même déjà récupéré cette badge. Ok. Plus qu'une à battre, donne tout ce que t'as, Hitomi. Bon, on va faire comme d'hab, les sons qui vont avec. LOL. Soigner, rappel, attends, ce que j'ai tué. Ouais, j'ai 4 rappels max aussi, ok. Rappel. Voilà. Agla super potion, voilà. Ensuite, sur blanc coton, on va mettre de l'anti-brûle. Anti-brûle, voilà. Comme ça, elle brûle plus. Ah non, il plutôt, ça m'a ça mal. Bon, et on va tenter un... Attends, du coup, l'éviateur, je vais le déplacer ici. On va tenter... Avec de la chance. On va tenter de la chance. Allez, c'est parti. C'est quoi la meilleure tactique pour les combats duo? Utiliser à fond ces deux Pokémon pour gagner? Ou tout miser sur l'un tandis que l'autre ne joue que le rôle du soutien? C'est quoi ta technique? Je bourre avec les deux. Bizarre et Ekaïde. Alors, bizarre, je connais, mais l'autre. Je connais pas. Je sais pas quel type c'est. Alerte neige de bizarre. Quoi? Oh non, Sigrel. Oh non, oh ça va être relou. Oh ça va être relou ça. Bon, aile d'acier. Bizarre. Hydroqueue. Ça récaïde. Ouais, il évite l'attaque. Ouais, fous-toi de ma gueule. Voilà, lui il dégage. Le triple level up là. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Dragogriffe. Ah. Évidemment le dégât de mort là. Putain de grêle de merde. Bon. On va retenter Eldacier sur lui et re-hydroqueue sur le même Pokémon. Allez, dégage, pas très efficace mais ça fait quand même des dégâts. Coup critique, allez hop.
Et avec de la chance, Aldacé, ça va le finir. Parfait. Oh, j'allais moins chier du coup là. Parfait. La comparaison entre ton sort et Pokémon, c'est ça, la clé de la victoire. Bon, eh bien. Franchement, je suis content d'avoir pu affronter un dresseur de ta trempe. Allez, bon ben. Bien, ouais. Ah, caméra, mission accomplie, c'est le cas de le dire. Allez, viens, on fonce au stade. Le grand Roy va s'occuper de toi. Wow, ouais. Ah, ça enchaîne cash. Oh, bordel de merde. Attends. Il n'apprenait pas mal des Pokémon type dragon. Putain, j'ai aucun truc d'avantage. Attends, dragon, c'est faible contre toi. Dragon, glace, et je crois que c'est tout. Ouh, ça va être compliqué. Ouh, ça va être compliqué. Bon. Eh bien, comment dire, si vous voyez cette séquence de vidéo juste après les combats entre les trois premiers dresseurs avant le champion, comment dire, c'est que... j'ai perdu le combat contre le champion d'arène qui m'a enculé. C'était assez violent. Du coup, bah, je voulais pas montrer quoi, parce que bon, ça sert à rien et la vidéo va durer 3 quarts d'heure sinon. Bref, du coup, le champion, je le ferai pour l'épisode prochain. Du coup, j'espère qu'on a au moins que la vidéo vous aura quand même plu. Et que, bah que j'espère que la prochaine fois je vais pouvoir les battre. Mais bon, je vais un peu farm à l'extérieur un peu plus pour monter au moins level 55 les Pokémon pour que j'ai un peu de marge. Et bah, il n'y a plus qu'à prier pour que ça passera la prochaine fois. Bon, en attendant, c'était Akama sur Pokémon Sword. Comme d'habitude, en fin de chaque vidéo, c'est l'abonnement, le partage, le commentaire, le pouce bleu, la cloche de notification et le petit lien de Discord dans la description. Moi je vous dis salut, à la prochaine. Ciao.